Jacques. Étudiante à l'école de Condé en master design global. J'ai fait un BTS design de mode et en gros, je voulais justement explorer un peu tous les univers du design pour apprendre encore plus aussi sur le graphisme, sur le design d'objets, tout en me spécialisant sur la mode. J'ai gagné un stage en fait chez Zadig & Voltaire. Et je m'appelle Sarah Soufflet. Je suis styliste et j'ai créé ma marque en septembre dernier qui a été présentée sur les salons en janvier et mars. J'ai gagné un stand sur le salon prêt-à-porter. Le thème, c'était sens dessus-dessous. Donc, en fait, j'ai interprété les sens, sens dessus-dessous, en fait, littéralement. Et j'ai utilisé la dentelle pour montrer, c'est montrer caché, plutôt féminin pour les robes. Et beaucoup de dentelle parce que c'est ma matière fétiche aussi dans ma marque. Donc, dans les robes, j'ai fait deux tenues prêt-à-porter et une tenue haute couture. J'ai donc travaillé sur le thème sans dessus-dessous, qui était le thème du défilé. Je me suis intéressée en fait à l'interaction entre le vêtement et le corps. Finalement, on peut se poser la question, est-ce que c'est le vêtement qui crée... Est-ce que c'est le vêtement qui crée le corps ou c'est le corps qui influence le vêtement? On trouve un peu des deux dans le vêtement avec les découpes justement, avec les ouvertures, les empiècements. Le corps peut interagir sur la forme du vêtement et le vêtement en même temps déforme le corps. Enfin, c'est toute cette tension entre les deux que j'ai essayé de développer. C'est-à-dire que ça va être des vêtements qui vont épouser le corps et qui vont s'inspirer directement du corps, autant de la peau que de l'intérieur du corps, mais qui en même temps vont le déformer par certains volumes rajoutés. Ça va reformer une certaine silhouette et en même temps, par les ouvertures encore, on a le corps qui interagit et qui montre sa présence et qui finalement apporte une nouvelle force à la forme du vêtement. Enfin, tout ce qui est danse classique, j'en ai fait beaucoup et j'en fais encore. Et ensuite, j'ai plus des influences art déco, art nouveau. Et au niveau des peintres, ça peut être Egon Schiele ou Bruno Brunoy. C'est des univers très très féminins, toujours avec de la peau. Bon, ça reflète l'univers avec la dentelle, c'est dans la ligne en fait. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a toujours des créateurs pour se lancer, pour y croire et pour apporter des nouvelles choses, même si en mode... Je pense qu'on a beaucoup fait des choses, mais il y a toujours moyen de surprendre de manière différente. Même sur tous des codes, que la mode c'est un cycle et qu'il y a des choses qui se refont, ça se refait jamais de la même manière. C'est un point qui touche un peu tous les créateurs, consciemment ou pas, et
Enfin, on se pose pas forcément la question, mais finalement, on porte tous des vêtements qui déforment le corps, enfin, qui ne sont, enfin, on se rend plus forcément compte de la silhouette de base. Et en même temps, le corps, il est là et on fait des vêtements en fonction des fesses, en fonction des seins. Peut-être qu'on s'en rend plus compte aujourd'hui. J'ai voulu justement me réinterroger sur ces points qui sont souvent, enfin, qui sont tout le temps d'ailleurs pris en compte. On a peut-être tendance à oublier l'importance de l'un et de l'autre. Enfin, je mets derrière.